Bonjour, bienvenue mes chers élèves dans votre chaîne Je communique TV avec vous, monsieur. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un texte vraiment très important pour vous. Cela vous aide bien sûr à mieux répondre aux questions lors de l'examen. Alors lisez attentivement le texte suivant avant de répondre aux questions posées. Alors la forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. La forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Le bois, on trouve dans certains objets comme la table, comme la chaise, comme l'armoire. Alors tous ces objets sont faits en bois. Alors la forêt fabrique le bois. Il nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Ça veut dire l'oxygène. Elle est la maison des animaux sauvages. Ce n'est pas uniquement des animaux domestiques, non, mais des animaux sauvages. Elle est la maison des animaux sauvages, des insectes, des reptiles comme serpents, comme des lézards et d'autres, et des tortues. Pour l'homme, c'est un espace de silence. Alors on va faire des pique-niques en famille, avec des amis. De repos, d'activités sportives diversifiées. De repos et d'activités sportives diversifiées, ça veut dire on pratique du sport dans la forêt, mais il est préférable le matin. La forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Elle est la maison des animaux sauvages, des insectes, des reptiles et des plantes rares. Pour l'homme, c'est un espace de silence, du calme, de respect envers la nature, de pique-nique, soit en famille, soit solo, de repos et d'activités sportives diversifiées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire envers notre forêt? Il faut la protéger. Alors, protégeons-la. Alors, protégeons-la. Alors, protégeons-la. Alors, donne un titre à ce texte. D'après vous, de quoi parle ce texte? Est-ce que c'est la forêt, les plantes, les insectes? Alors, le titre de ce texte, vous écrivez ici la bonne réponse. Que fabrique la forêt? Que fabrique la forêt? D'après le texte, que fabrique-t-elle? Que donne la forêt? Que donne-t-elle à l'homme? Est-ce que des fleurs, du lait, des plantes, des fruits? Et combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Regardez bien, s'il vous plaît, ici. Combien y a-t-il de paragraphes? Que doit faire l'homme envers la nature, envers la forêt? Que doit-elle? Que doit-il faire? Et que remplace le pronom elle dans le texte? Des questions vraiment simples à la portée de tout le monde. Donne un titre à ce texte. Vous choisissez la bonne réponse. Est-ce que c'est la forêt, les plantes ou les insectes? Que fabrique la forêt? D'après le texte, pour répondre à cette question vraiment simple. Que donne à la forêt à l'homme? Il faut tout simplement cocher là où les bonnes réponses. Là où les bonnes réponses. D'accord? Il n'y a pas uniquement une seule réponse, c'est des plusieurs. Là où les bonnes, avec un seul fin, réponses. Voilà. Des fleurs, du lait, des plantes, des fruits. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Regardez bien. Et que doit faire l'homme envers la nature? Et qu'on remplace le pronom elle dans le texte? C'est le pronom personnel. Alors, s'il vous plaît, mettez une pause ici pour lire attentivement le texte avant de répondre aux questions posées oralement. Mettez une pause ici. Lisez plusieurs fois. Jusqu'à la compréhension, jusqu'à la maîtrise. Voilà, vous avez bien lu maintenant. Côté de questions de compréhension, mettez une pause ici sur la vidéo. Essayez de lire
Les questions d'abord. Voilà. Et répondre oralement ou par écrit les questions proposées. Alors, je viens de vous expliquer clairement ces questions. À vous de répondre. À très bientôt. À très bientôt, mes chers élèves. À très bientôt.